Il est déjà 21h15. Les bonnes sont 13h51, station en fréquence de la part de Dandy 33. Et ben c'est parti pour le QSE national du canal 27. Pourquoi national? Parce qu'il se fait sur les différentes régions de France. Et ça, c'est à la charge des différentes régions de France. Et non pas uniquement à la nôtre. Voilà, donc autrement dit, en clair, démerdez-vous pour faire le QSE de votre côté. Hachis trois coups, c'était la petite pointe d'humour. Donc on est quoi? On est samedi 17 juin 2017 et il y a du monde sur le web SDR. Les 73-51, les stations là sur le web SDR. Et les 73, à toi Michel, la tour de contrôle. Ah bah comme ça là je me sens venu seul coup tout seul. Au pays du rouge, ça va être difficile. Et 73 retourné Michel, t'as tourné un peu l'antenne. Ça va être d'un seul coup, là je t'entends plus QRP. Sympathique le petit effet d'écho. Bon ok, alors hier soir comment s'est passé le QSO Michel, je sais pas si tu étais là. Ok, attends, il faut que je mette le mute. Ouais, la fois que j'essaie de t'écouter, je vais devoir là si tu passes sur le web SDR, car c'est vrai, là j'ai pas mal de bruit de mon côté. Et tout à l'heure j'écoutais en FM, en plus des Allemands, j'avais un QRM là de 3-4. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de bruit ce soir, c'est pas forcément génial de mon côté. Hein. Bonne 73, Michel, le 14h016, opérateur éclodé sur le département 33 en visite surprise. Allez, bonne 73 à toi, bonne 73 à tous ceux qui sont sur la fréquence et tous les SWL. Je vais pas trop tarder à démarrer du QRA familial. Je vais aller me poser en station mobile arrêtée. On va faire quelques essais aujourd'hui. J'ai prévu deux TX, celui qui est dans le push, plus deux supplémentaires. Et je vais les mettre tous les trois en fréquence. On va voir ce que ça va donner. Quelques tests, quelques essais à faire. Et puis on verra ce que ça donnera. Où tu vas te mettre? Ah ben je vais me mettre un petit peu plus haut que chez Dundee 33. J'ai ma petite place moi là-bas dans un petit chemin de terre. On ne me voit pas, je suis dégagé. Je suis en hauteur, je suis dégagé sur 360 degrés. Donc pas besoin d'envoyer énorme. Je veux dire juste la puissance du TX, ça sera très suffisant. Et après, ça sera la même chose. Allez, c'est parti.
Ok, 100% QSL. Ah, mais tu dis que tu fais le tour de la Terre avec ton antenne. Bah, je t'ai jamais entendu, moi, au QRA familial là-bas sur le 16. Ah, va falloir rappeler, va falloir rappeler. Chaud. Oui, 35 degrés. Hein. 35 chez lui. Oui, qu'ils ont vu au Canada. Ah, c'est sûr que 35 Canada, c'est pas mal déjà. Hein. Bon, c'est réputé pour être un pays froid. Enfin, c'est ce qu'on entend, hein. C'est ce qu'on entend dire, hein. Surtout l'hiver. En été, je sais pas, j'ai jamais eu d'écho. Et puis, je veux dire, mis à part avec la Sibylle, la radio, je me suis jamais porté sur ce pays. Mais là, j'entends souvent parler du Canada, Québec, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et pour ça, voilà la magie de la Sibylle. Ça fait tourner, ça fait découvrir les régions, les pays. Et, ça fait découvrir pas mal de monde aussi. C'est ça qui me plaît, moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, mon côté, je préfère 1000 fois la radio au 600 ohms. Hein. Le 600, c'est une plaie. Je veux dire, c'est pratique en cas de panne ou d'accident. Mais encore. Faut encore qu'il y ait du réseau, faut encore que tu aies payé ta facture de forfait. Sinon, t'as pas accès au réseau. Ah, les joies de la Sibylle. T'allumes le TX, que tu aies du réseau ou pas, tu lances appel, il y a toujours quelqu'un pour te répondre. Toujours. T'as Sylvain qui t'envoie les 73 sur le chat du WebSDR. Sylvain. J'espère. Tu sais, les 23, ils sont. Ah. Oui, j'espère. C'est normal, c'est un Belge. Ah, l'aquarium. Juste, oui. Mais moi aussi, j'ai des problèmes de petits poissons. Hein. Entre Rémi qui perd sa mémoire. Oh putain, non, ça on coupe, non, trop tard. Non, ta mémoire de poisson rouge, et puis à chaque fois que tu passes le pont d'Aquitaine, t'as tout perdu. Et moi, je commence à déteindre sur lui. Et puis Sylvain, il adore l'aquarium de chez Rémi, donc voilà. Retourne sur la fréquence parce qu'il n'y a pas d'aquarium. Ok, c'est du 53, ouais voilà, ok, j'ai entendu un bip, j'ai entendu une autre station derrière appeler, je sais pas si c'est la propague, ah oui putain, faut que je baisse d'un ton hein, quand même, à chaque fois que je prends le micro, je gueule dedans. Donc ouais, j'ai entendu Roger bip, donc Claudie il doit être en place là, je pense. Oui Claudie, dis-nous tout. Ah, comment tu
Fiat 73 à tous. T'es en mini là. Ouais, 73, je suis sûr. Bon, ok, allez, on enchaîne. Vas-y Claudie, là, on attaque les tests. Parce que là, là apparemment, on n'est que tous les trois avec Michel. Eh bien, on va le faire comme ça, et puis on verra bien le prochain coup. Oh, y'a pas de soucis, tranquille. Bonne 73, Rémi, bonne 73, Michel, les bonnes 73 à tous ceux qui sont à l'écoute. Les bonnes 73 à tous ceux qui sont sur le web SDR, bien sûr, on ne les oublie pas, les UPL. 14 ODR 016, à l'opérateur Eclody sur le département 33, en mobile arrêté et en vacances. Ok, as-tu entendu Claudie? Oh, t'as été trop court là. Ouais, là, normalement, non. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça, moi ça me va. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Décalé là. Hachi, ouais, t'as une molette farceur. Attends, je remets le web SDR sur mute car je crois que je dois avoir de l'écho là. Ok, voilà, ça marchera mieux comme ça. Ok, donc là, tu fais un test là, Ludovic, c'est ça? Oh zut, je vais pas y arriver, Claudie. Ouais, je teste déjà mon calage en fréquence et puis après, on va voir. Je suis en train de brancher les autres là. Bon d'accord, j'ai fait un passage avec la caméra sur le web SDR par la même occasion, histoire que tu aies, parce que là au QRA évidemment, t'es auprès donc ça passe écrasé, enfin bon, je te comprends largement, il n'y a pas de souci, hein. Mais tu auras en même temps la version, l'écoute là du web SDR. Ok, donc
suis en normal, voir si... Je sais même pas si je suis décalé, j'ai décalé le coiffe. Attends, je viens de remettre la caméra sur le web SDR. Vas-y, Claudie, parle. Ok, c'est enregistré. Vas-y, c'est quoi ton prochain test? Alors le prochain test, ça va être un président Grant, le gris, le série 1. Ouais, donc le façade grise, sans décalage en fréquence, uniquement clarifieur. Voilà, tu es où là? Ah, t'as un gros souci là. Ça crachote, ça. Je sais pas où t'es, mais c'est pas ça. Mais, ouais, vas-y, reprends le micro que je vois un petit peu là, que je te cherche un peu. Arrête les frais, tu nulle part. Non, là, ça va pas du tout. C'est ça y est, la radio passe pas, quoi. C'est complètement, je sais pas, ça. Pour moi, celui-là, il est en panne. Bon, attends, vas-y, reprends le micro pour voir. Je voulais voir un truc. Ok, bon, apparemment t'es bien en BLU, je suis descendu en AM pour écouter un petit peu là, ce que ça donne. Donc ça correspond bien à de la BLU là où tu es, mais ça va pas du tout. Hein. Là on comprend rien du tout, c'est là aussi tu pourras voir ça là, dans la vidéo. Il y a un gros souci, je sais pas si c'est, ou peut-être que tout simplement le micro qui est HS. Je sais pas, il y a ça merdonne à fond. C'est franchement ce qu'il y a de plus dégueulasse, quoi. Voilà, au niveau modulation. Ouais, ouais, ok. Bon, ben, tant pis. On va le mettre de côté, celui-là, je viendrai plus tard. Ah, ben, ça va de suite mieux, là, tu vois, là, quand tu veux. Ah, chi. Bah, c'est l'avantage de plus optique, hein. Bon, ouais, non, mais l'autre, c'est sûr, là, t'as un gros problème avec, hein. Ouais, vas-y, Michel. Tu nous entends pas, Michel? Ouais, bah, ça y est, lui, zut, j'en veux ce soir avec ça, avec lui. Claudie, t'en es où de tes réglages? T'as d'autres tests à faire, je veux dire? À mon avis, ça doit vouloir dire oui. Ok. Ok, je suis bon, je suis arrivé. Ça devrait bon. Ah oui, ça a l'air, oui. Là, t'es sur quelle antenne? Alors, je fais mes essais sur la Santiago 1002. Hein. Ok, alors ok. Là, tu es sur la 1002, là, de suite à la seconde. Alors, attends que je me tienne prêt.
Là, tu es sur la 1002, là, de suite. Alors, condition de trafic, prévu en grande noire, micro en main d'origine, avec je veux dire puissance TX, et la synthèse au 1200 à l'arrière, je pousse. Bon, tu connais des spéciaux, on l'a refait. Ok, vas-y, change d'antenne. Ah ok. Ok, voilà, je suis prêt là sur le face au web SDR. C'est plus petit, hein. T'as pu jouer un espèce de trafic en plus là sur le web SDR, au secours. Ouais, vas-y, retourne Michel. Ok, bah les meubles se sont très retournés à eux. Mais ça aurait été bien de pouvoir les entendre dans le QSO, mais bon, ça va pas être possible. Ok, oui, je te filme là, Claudie, là, tu verras ce que ça donne. C'est plus fort, hein. Ok Michel, Toulouse. Ah oui, c'est, je vois ton message. Les 2013-51, toi Michel, voilà, 14 FDX 057, département 31, Toulouse. Voilà, de la part de 14 ODR 002, Dandy 33, voilà, sur le secteur de Saint-Émilion, question la bataille. Avec Claudie qui est sur la colline, à côté de chez moi, la colline de Saint-Maine-du-Castillon. Bon, c'est vrai que ce soir, c'est un QSO un petit peu particulier.
Les OM habituels, eh bien on ne sait pas, on n'a pas d'infos. Bon ben c'est pas grave. On verra bien le prochain coup, hein. Ça sera surprise, surprise. Voilà. Bon, ça aurait été sympa justement avec la présence de Claudie, là qui a un peu plus de monde, mais bon, c'est pas méchant. De toute façon, pour faire un QSO, il faut au minimum 2 personnes. Voilà, bon, c'est fait, on est 3, maintenant 4 avec toi. Cette trace que tu laisses. Et t'as pas mangé toi? Non, non, c'est que là, bon, là j'étais en train de te filmer en même temps sur le web SDR. D'accord, ouais. T'as vu le temps de réflexion, hein? Il est gros cet animal. Attends, excuse-moi Michel, j'ai pas compris. Hein. Non, c'est la réponse de Claudie là, qui m'a fait rigoler sur le coup. Pour une fois, là oui, là c'est clair. Hein. Non, mais je fais pas le déplacement pour rien, tu sais. Ah, on a beau être deux, on a beau être trois, voire quatre, on n'a pas besoin d'être 40 pour s'amuser, pour s'exciter. Hein. Bah, et même des fois, je m'éclate tout seul, moi, c'est pour te dire. Oh putain, il est pas tout seul dans sa tête, lui. Tu me mets à plate couture. Parce que bon, c'est vrai que des fois sur la route, là, sur le 19, je m'amuse à ça. Mais bon, ça va être très court. Ça va être sur l'état de la route, ceci, cela, et puis ça reste très bref, quoi. Alors pour peu que je balance un truc du genre ah bah tiens, c'est en train de bouchonner, ceci, cela. Oh putain, ça s'affole de tous les côtés. Là, d'un seul coup, tout le monde est en fréquence. C'est sûr.
après, je veux dire, il y a pas mal de monde en pré-contact, et c'est comme ça. Le problème, c'est que les gens pensent que sur la gâchette du PDD micro, il y a une petite aiguille avec du venin. Ils n'osent pas appuyer dessus. C'est dommage, c'est malheureux. Pourtant, je veux dire, ça mange pas de pain, ça coûte rien, et puis on n'a pas une tendinite après. Hein. La preuve, regardez, je suis con là, moi. Et en plus, les communications sont gratuites. Hein. Remarque, avec toi, avec la gueule que t'as, on pourrait les faire payer, les communications. Non, c'est plutôt l'écoute. Monsieur le Président, j'ai tout compris. T'as un petit peu compris. Ah, t'es équipé président. Maintenant, je comprends mieux. Ok, mes respects. Heureusement qu'il fait pas la politique, mon télista. Parce que, oh là 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 là, avec qui t'es président, j'ai pas été superstar. Oui. Et Sony. Ouais, moi, il paraît que c'est moi. Oui, le système de parler à mon langue est disponible ou ça fonctionne ou on dit le gars se vient gâteau. Non, non, mais je confirme, moi, ça. Je me demande, mais dans le temps, je parlais tout seul avec. Si, j'entends un bruit là derrière, là, je sais pas ce que c'est. J'ai changé un peu de mode pour voir si c'était, je sais pas, en AM, FM, LSB. Non, non, c'est bien en uniforme Sierra Bravo, là, ce bruit qui est derrière. Tu es au parallèle. Ah putain, ce bois bas que ça fait là, c'est pas épais, hein, mais bon, c'est là, ça nettoie les QRM. Ah oui? Putain, d'accord. Ah ouais. Ah, il envoie les cartons. C'est des jolis. Sa moustache, oui, surtout. Leur matériel doit être mal réglé. Hein. Parce que là, quand même... Non, mais sur 10 kilos comme ça, c'est costaud. Hein. La moustache ? En poutine, Vladimir. Elle raconte que des conneries. Il va falloir
On dirait du morse complètement brouillé là derrière. J'ai pas dit du phoque, hein. Tout de suite. Ouais, ça envoie des bip bip, mais avec un bruit bas bizarre. Ça envoie des bip bip. Fais gaffe, y'a coyote pas loin. Ah, j'entends quelqu'un. Il est pour toi, Chloé. Ok, hop, un blanc s'il vous plaît. Ok, on a 14 ODR 026 là, qui est derrière, là, qui je pense va essayer de nous appeler. Alors Claudie, ouvre grand les oreilles, trompe-toi pas, hein, j'ai bien précisé les oreilles. Il y a un petit quelque chose qui passe. Il me gonfle là, ce truc là. Est-ce que tu as senti quelque chose ou pas, Claudie? J'ai entendu. J'ai rien entendu d'autre. J'ai la moustache d'un côté et puis le marteau pique de l'autre. Alors, comment dire? On se prendrait vraiment chez les Russes. Hein. Ah la vache, non, bah ça passe pas là. Ça passe pas, il est sur les Landes, je sais plus ce qu'il nous a dit, Biscarros, je sais plus. Quoi. Et Michel qui est en train de s'amuser comme un gosse, nous faire de l'écho là, avec le web SDR. Je suis trop cool. Il a dû prendre une piqûre de contamination des Espagnols. Quoi. Putain, moi qui me mets à parler comme une vache espagnole, quoi. Tant que c'est pas une vache belge. Oh, j'imagine bien, tiens, ça devrait être... Allez, vas-y, fais-nous un test. Non, je sais pas faire. Ah, mais c'est normal, il n'y avait rien à comprendre. Oui, la station, les bonnes 73. J'ai entendu quelqu'un au loin, mais alors très QRP, si tu peux me revenir. Négatif. Ça doit encore être un coup de moustache. Bon, on a soit Jérôme qui essaie de nous joindre, on a soit Hervé. Il y a aussi on a Nicolas là du côté de Tours qui essaie de nous joindre. On a Sergio
Non, c'est 14 Charlie Bravo 5. J'ai rien compris. Sergio qui a apparemment essayé de nous joindre aussi, je pense, si j'ai bien compris. Je traduirai plus tard. Bon, il y a un peu de monde qui essaie de nous joindre d'ailleurs, mais la propagande nous joue des tours. Elle nous balance du bruit plus qu'autre chose. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Je vais passer QRX pendant 1 minute 30. Donc, un blanc d'une minute 30 de mon côté pour voir s'il y a des stations qui lancent appel et qui veulent rentrer. Allez, en avant les stations, QRX pour ma part. Ok, bon, on va essayer ça. Hein. Attention, 14, Schmilde 14 pour le QSO national du canal. Ben non, j'avais dit 14, 27, de con. Avec 14 ODR 016, l'opérateur Claudie. Et là, c'est les mêmes avec la chambre d'écho que tu as entendu ou c'en est encore un autre? Avec l'écho web SDR, mais ça c'est à part. Et j'ai une chambre d'écho qui m'arrivait, mais alors claire et nette. J'ai eu un écho clair et net sur une fin de phrase, et puis ben, rien, plus rien, il a disparu. Je sais pas où il est. Et comment ça s'appelle déjà, je sais plus le nom, quand la propague est tellement forte que l'onde fait le tour de la Terre et revient, et du coup ça te provoque un écho. Ce truc-là, ça s'entendait autrefois sur je sais plus, petites ondes ou grandes ondes, avec Radio France ou France Inter, je sais plus, hein, qui émettait tellement fort qu'effectivement l'onde faisait le tour comme ça et ça provoquait un écho. Par contre, je sais plus comment ça s'appelle, là, cet effet, quoi. C'est la rétropropagation. Voilà, c'est ça. C'est la rétropropagation. Quand il y en a, c'est très très bon pour les directives. Par contre, il faut se tourner à l'arrière et ça passe très très bien. Ah ben, tu m'étonnes. Alors là, c'est sûr, c'est génial, là, en directive, là, comme ça, avec ça, là, ça, là, t'arroses loin, hein. Il y a quelques années, là, sur le dernier cycle, c'est vrai que j'ai entendu quelques stations à qui ça le faisait. Hein. Bon, qu'il y en ait un dans un QSO qui est une chambre d'écho un peu réglée, à peine réglée, je veux bien. Mais quand c'est deux, trois personnes d'un coup où ça fait cet effet-là, tu te dis non, là quand même pas, c'est forcément de la rétropropagation. Oui, le Roger Bip. Oui, Santiago 3 sur Sainte-Colombe, là, le Roger Bip. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Passe le web SDR. Allez, bonne 73 de 14 ODR 016, l'opérateur Claudie en compagnie de 14 ODR 002, Dundee 30 sur le
de Michel, la tour de contrôle. J'ai mangé son indicatif. Est-ce que tu peux me revenir avec ton nom d'opérateur, s'il te plaît? Tu l'as fait peur. Ah, j'ai des moments sérieux aussi, hein. C'est peut-être ça qui a fait peur.